Hello, hello tout le monde, c'est Lynn. Et bien nous voilà de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Conan. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient, parce que ça faisait un moment qu'on n'était plus venus dessus. Et voilà, nos petits esclaves, ils sont terminés, les gens, nos petits esclaves. Oui, depuis le temps, ils sont desséchés, ils sont mourus et autres, hein, si on les avait laissés là. Mais, notre petit veille... Et j'ai encore fait la même chose. J'ai encore fait le bouton F sur la table de craft, ce n'est pas possible, il faut arrêter de faire ça. Mais d'où ça vient, le bouton F, que je ramasse des trucs? C'est une action sur arc ou sur quelque chose en genre? Je sais plus. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Ben voilà, c'est ça. Il ne faut pas jouer à Conan et à arc en même temps. Donc voilà. Donc on a nos petits esclaves qui sont terminés. Alors ici, on avait quoi comme esclaves déjà, que je m'en souvienne? Aussi, on avait des gardes Chiom. Donc ça, c'est ceux qui vont faire à travailler les esclaves plus vite. Donc on peut déjà le mettre là, lui. Et lui, on va pouvoir le mettre ici. Donc ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ou attendez, là, on a absolument quelque chose de super important. On a notre danseur. On veut un danseur. On peut en prendre plusieurs? On peut en prendre plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais absolument un danseur dans notre nouvelle base. Mais oui, évidemment, on ne peut pas faire sans danseur dans la nouvelle base. Alors, on a un tanneur level 3. Un fondeur level 3. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant? De quoi on a absolument besoin? Forgeron, un tanneur et un fondeur. Ben en fait, on va prendre le tanneur et on va voir le fondeur. On n'avait pas d'alchimiste en fait. On n'avait pas récupéré ça. De nouveau, non, je sais plus. Voilà. Bon, on va reprendre le deuxième forgeron. Ça peut être sympa, un deuxième forgeron, pour le mettre dans la forge et tout. Alors, vous savez ce qu'on ferait bien? On irait peut-être bien. J'ai pas pour endormir la personne, mais bon, va aller pas loin si jamais. Est-ce qu'on peut pas? On peut pas voir. Lui, il est quoi? Elle est quoi, elle? Cuisinière level 2, ça vaut peut-être la peine de la prendre, non? À défaut de mieux, oui. Ouais, hein, à défaut de mieux, on voit pas. Mieux. Ouais, ou alors on la laisse là et tant pis, on fait avec ce qu'on a. Oh, c'est encore possible. Alors, je pense qu'en vidéo, je vous avais pas montré où on en était. Alors, regardez-moi ça ici. Regardez, j'ai un petit peu travaillé sur la base. Donc, on a fini. J'ai fini l'emplacement des forges. Ce qui est pas mal. Ça m'a juste pris en fait 3 heures à faire l'emplacement des forges. Mais j'en suis assez fière, assez contente. Bon, on a juste des forges. Ah, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, pourquoi il y a celle-là? Ça avait l'air urgent que je te refasse une armure. En vrai, on va la déplacer. En fait. Ok. Il y a alors... des armes, mais... Pas de soucis, pas grave. Forgeron, donc on peut le mettre dans la forge, on est d'accord, non? Fondeur. Fondeur dans la forge. Ah, fondeur dans la forge. Voilà, fondeur. Bon, il y a un fondeur. Il y a un monsieur tout nu devant la forge, c'est normal? Mais il est pas tout nu. Tu crois pas qu'il a un... il va pas avoir chaud, il va pas se brûler à un moment? Ça, c'est pas trop... C'est pas trop problème, c'est ça? C'est un employé. C'est fou, au minimum. Vous voyez, moi au moins, je gardais un petit peu de... Je me disais, bon, bah, ce serait bien quand même que nos hommes, ils soient pas... Par contre, c'est un petit peu trop habillé, tout ça. Hein. Oh, on peut pas les... Oh, je peux pas les déshabiller, les forgerons. Oui. C'est pas un danseur. Ah, mais c'est nul. Je demande à être remboursé. On a un tanneur aussi. Ouais, j'irai chercher les autres, hein, mais ça vaut pas la peine de faire tout ça avec vous. Alors, ici, il y a des trucs qui sont en train de se faire. Donc, on va mettre notre tanneur ici. Ah, c'est une tanneuse, en fait. Pourquoi pas? Et alors, notre petit danseur... Bah, le danseur, je pensais le mettre là-bas. Du coup, le danseur, on va le mettre ici, au coin. Voilà. Juste là. Attends, regarde-moi avec tes... Voilà, avec ton petit pagne, là, c'est mieux si t'es là. Pourquoi tous mes... Ah, j'allais dire, pourquoi tous mes danseurs, ils me font la tête? Ceux de l'autre base, ils dansent plus non plus, là. C'est quoi cette histoire, là?
voilà, on nous sommes divertis. J'adore ce jeu. Déjà rien pour ça, j'adore ce jeu. Bon, alors, entre le temps où on a fait l'ancienne vidéo et le temps où on a fait cette vidéo-ci, il y a eu des nouveautés sur le jeu, c'est-à-dire la sortie d'un DLC. Bon, alors, on pense qu'il en est de ce DLC, c'est bien ou c'est mal. Il y a un workshop, il y a plein de trucs qui se font sur le workshop pour pouvoir mettre un DLC ou autre. Moi, je le fais passer dans les frais, donc je l'ai acheté pour voir un peu ce que c'était. Au moins, comme ça, bah, vous verrez avec le temps si ça vaut le peine de le prendre ou pas, hein, ce sera à vous de voir. Moi je dis que déjà pour... Bon c'était 10€, c'est 9,99€, et pour 10€ on a de la décoration les gens. Moi je dis, ça c'est déjà pas mal. Oh mais il y a des tapis. Oh attendez, on va essayer de crafter des trucs, hein, tant qu'on y est, on est là pour ça, non? Bah et... Oui. On va avoir besoin de trucs. Ah. On va avoir besoin de trucs. Alors Vaé, étant plus haut niveau que moi, est en train de faire les armures. Et alors il faudrait que tu me fasses, si tu veux bien, les armes... Attendez, je vais vous montrer en même temps, comme ça je lui explique en même temps. Donc, dans aptitude, évidemment, les crafts. Et alors si je fais une petite recherche ici et que je fais Kitan avec un H, hein, parce que j'ai cherché pendant 3 heures avec un Q, mais ça fonctionne pas. Donc voilà tous les crafts. La bonne nouvelle, c'est que quand je me suis dit, mince, j'ai plus que 10 points, je pourrais jamais les débloquer pour la vidéo. Et en fait, ils sont tous débloqués à 0. Je les ai par défaut. Donc à partir du moment où vous achetez le DLC, ben, vous les avez, vous ne pouvez plus mettre des points. Donc j'ai fait la table ici, c'est celle qu'on voyait là-bas. Et pourquoi est-ce qu'on a un truc là? On a un lit spécial Kitan? On a un oreiller Kitan, sachez bien. Ah oui, là, Kitan. Mais on a un lit Kitan? Stygien, lit. Non, ça m'a pas l'air. Je sais pas pourquoi lui il a l'air, mais bon. Donc on a toutes des armures que Vae est en train de nous faire. Est-ce que tu nous fais l'armure épique ou tu nous fais l'armure normale? Ah là, j'ai lancé une normale intermédiaire. Oh. Mais pourquoi tu nous as pas fait la. La grosse. Parce que d'habitude, tu portes pas des grosses armures. D'accord. Bon, intermédiaire, mais c'est pas mal. Par contre, je voudrais quand même la grosse arme, hein. Le gros truc, hein, quand même. Parce que ça fait masse dégâts. Combien on en est là? Donc regardez, il y a les armes. Donc ici, en fait, tout ça, on peut le débloquer. Alors par contre, la construction, c'est méga, méga cher. Donc je pense pas qu'on va pouvoir en faire. On essaiera de farmer un petit peu pour au moins vous poser. Je vais faire la prochaine vidéo, ou enfin une des prochaines, je vais faire ici tous les tiers de construction pour voir, parce que moi je les connais pas non plus, et ben, peut-être que vous, si vous suivez uniquement mes vidéos, vous les connaissez pas non plus. Et je mettrai pendant une vidéo les différents tiers, parce que là nous en fait on construit toujours avec avec les briques, mais vous voyez il y en a plusieurs autres, donc ce serait sympa de, ben, pour notre culture générale et pour nous choisir, savoir ce qu'il en est. Donc construction on fera pas cette fois-ci. On fera ça à la fois prochaine. Décoration, par contre, éventuellement, on peut tester aujourd'hui. Parce que oui, bien sûr, il faut la décoration avant de mettre les murs. Hein, on est d'accord, hein, tout est logique dans le monde, dans les gens. Tout est logique. Alors, on n'a pas de pierre. Par contre, toi, j'aimerais bien l'essayer, là. Ça m'a l'air d'être super beau. On a une kitan chair. On peut la faire. Est-ce qu'on a du... On a du fer? Oui, on doit avoir du fer. Ah, de la soie. Oh, attendez. Soit on doit avoir. Donc, toi, on peut prendre. Soit. Ah mince, on n'a pas assez de soie. On n'a même pas de toile d'araignée à convertir en soie. On n'a pas de soie pour faire un folding screen. C'est super important. Ça a l'air important. Mais c'est super important. Alors, ça, c'est tout des trucs de. De décoration. On va essayer de faire les lampes pour voir un peu ce que ça donne. Parce que les lampes sur ce jeu, c'est super important. Regardez-moi ça, ma petite base. Je suis amoureuse de ma petite base. Alors ici, j'ai commencé les fondations de la maison. Donc elle va aller un petit peu plus haut par là. Mais j'aimerais bien essayer d'avoir un petit peu ce côté rond ici. Je sais pas encore trop ce que je vais faire là. Ou des escaliers peut-être, ou je verrai bien. Un petit peu arrondi là. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'on arrive ici. Et donc on est une petite terrasse, voilà, et ici on rentre dans la maison avec des petites tables de craft à l'intérieur, donc ça on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, j'ai besoin de fer, j'ai mon jeu qui frise un petit peu vers les gens, mon PC il me dit un petit peu merdouille, hein. Hop, ouais, tu arrêtes, congé. Oh ben non, en fait tu vas pas arrêter, attends, je vais t'en redonner à manger. Il y a du fer, mais à manger, hein, là. Viens, regarde, ne te tracasse pas. J'ai... Pardon.
Oui, je prends. Par contre, c'est pas les épiques que t'as faites, c'est les normales. En fait, je viens de découvrir le bad avec toi. Et en Kitane, il y a 2/3 de. Apparemment, de. Ouais, mais moi je D'armes. préfère la grosse grosse lame, tu vois, Et il y en a un qui est en fer et l'autre en métal stellaire. Et métal stellaire, on sait toujours pas le faire. Par contre, en armure, t'as un set d'armure intermédiaire précieux. Ça c'est bon, on va l'essayer. On va l'essayer après. Petit, s'il vous plaît, les gens, on va faire une petite séance d'essayage aujourd'hui, bien entendu. Hop là. Alors attendez, on va essayer de poser son. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Ben voilà. On va déjà essayer de décorer la maison alors qu'il n'y a encore rien dedans. Mais pourquoi pas après tout? Oh, ça pourrait être sympa. On a de la peau. Ouais, on a de la peau ici dedans. Des pots normales, oui, on en a plein. Oui, on en a. Par contre, là, ça va poser un souci. Il va falloir faire quelque chose. Est-ce que tu as des pots pour nous, toi? Dans le petit coffre, peut-être? Oui, dans le petit coffre, peut-être. On va prendre ça. Alors. Hop là. Pardon. Hop là, mon travail, ils ont mis l'air conditionné. Mais l'air conditionné est vraiment au-dessus de nous. Et même s'il ne fait pas spécialement nécessaire d'avoir de l'air, ça fonctionne. J'ai envie de dire, mais baisser, c'est bête, en fait, de laisser de l'air conditionné s'il n'y en a pas besoin parce que consommation, tout ça, et basiquement en fait on nous a dit, on m'a dit ouais en général on l'a déjà dit mais il vaut mieux changer d'employeur hein, si tu veux. Ok très bien. Non mais très bien. Alors, j'ai pas de pierre. Moi j'ai pas de pierre. Moi j'ai pas de Dans pierre. la carcasse forge. Bon, on va aller. Plutôt qu'aller casser du caillou, autant aller chercher ce qu'il y a dans la forge. Hein. Allons-y. Il m'en faut 70 pour faire un petit. Bien. 75. 75. Pour faire un petit dragon en jade. Oh, c'est choupi. C'est choupi, c'est choupi. En même temps, c'est les trucs de l'Empire de l'Est et tout ça. Donc on s'était dit que ce serait plus logique de faire le village de pêcheurs, puisque s'il est plus à l'est de la carte et tout ça. Mais tu t'imagines en renfort de fer, en renfort de ce que ça va nous coûter pour faire le village de Bien. pêcheurs? Ça a surtout coûté des esclaves. Ils Surtout coûter. travaillaient plus efficacement et qu'on est plus. Dis, c'est quoi un consolidant pour la pierre? Ça sert à faire les briques de TI3. Ah! C'est à base de ficelles et de d'icorne d'araignée. Mais j'ai pas moi ça. Oui, c'est une recette qu'il va falloir qu'on prenne. Du coup, on va ramasser ça, ça et ça. Voilà. Alors allons-y, on va tout poser pic-ploc hein, là-bas dans la base, on verra bien. Éventuellement, peut-être que certaines choses on peut les poser correctement. Oh là, attendez. Donc ici, on va poser ça là. Toi, on t'essayera après, on ira tuer des trucs après. Là. Ouais. Elle évite un petit peu dans le vide, hein, la flamme. Mais pourquoi pas? Alors ça c'est le plus petit. Donc le plus petit, éventuellement, on va le mettre ici dans le coin. Ouais. Je préfère celui-ci en fait. On voit moins la flamme qui l'évite dans celui-ci. Ensuite, petit paillasson, s'il vous plaît. Alors le petit paillasson, oh il est joli. Oh, j'aime beaucoup, tiens. Bon, il est un peu trop près du mur, mais ça pas grave. Enfin, le mur, vous ne voyez pas le mur, mais moi je l'imagine bien le mur. Oh, mais qu'il est tout beau. Regardez-moi ça, qu'il est tout beau. Il aurait fallu un rien plus grand, mais c'est joli là, en fait. Alors, en fait, ce qu'on aurait pu faire. C'était. Attendez, est-ce qu'on peut ramasser ça? Oh, je peux pas! Comment ça, endommagé? Oh, je peux pas! Je voulais mettre en fait le siège et lui devant comme s'il protégeait le trône, mais apparemment je peux pas le ramasser parce qu'il serait endommagé. Mais comment est-ce que j'ai fait encore mon compte? Je ne l'ai même pas encore touché. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est quand même classe, hein. Elle est quand même badass en fait. Hein. Par contre, on en parle de la lame qui rentre dans sa jambe. C'est un détail. Ok, c'est un détail. Très bien. Le petit tambour, il est où ton lit, Vaé?
C'est l'une des paillasses qui est dans toutes les tables. D'accord. Alors comment est-ce que... Voilà. Alors, attendez, on va retrouver le lit de... Bon, on est déjà morte une fois tout à l'heure de faim, parce que je suis gentiment... Non, ça c'est le mien. Je me suis connectée et puis je me suis dit, tiens, j'ai une petite discussion et tout. Puis je reviens, je suis, oh mais t'es morte. Ah mais bravo. De faim. Elle avait de la nourriture dans sa ceinture, hein, donc c'est pas que c'était compliqué. Voilà. Au moins comme ça, quand elle dormira, eh bien, ce sera pratique pour le réveiller. Très bien. Et ça, comment est-ce qu'on le pose? Je sais pas. Alors on va juste le poser à la forge pour essayer, mais ça va pas rester là. Hein. Mais quoique. Quoique. Non mais je voudrais en fait, vous voyez qu'elle pende. Ah, je peux pas le pendre sur le toit. On pourrait le pendre là. Vous voyez, je voudrais qu'elle... Ouais, il faudrait l'attacher à un mur. Je voudrais qu'elle... Il y a peut-être moyen. Ah mince, il y a le danseur dans le chemin. Là? Là? Bon, c'est pas top en fait, hein. Et ça fait de la lumière, ce truc? Affronter pour les options. Et je peux pas le ramasser, les bâtiments étant endommagés. Ok, donc je pense en fait tout ce qui est kitane, c'est capoute ou on peut pas les retirer. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que tu payes quand même pour le mode à la fin, hein, parce que voilà, hein, bon bref, c'est pas grave. Alors, ici maintenant, on va pouvoir les essayer, les petites... Oh, l'armure, oui, l'armure. Attends, elle est où? Non, elle est là-bas. L'armure. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Par contre, c'est moi ou elle est vachement plus habillée que les autres? Peut-être qu'il fait froid en kitane. Dans l'est? Je ne sais pas. Ouais, non, ça se tient, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Mais ouais, c'est un peu trop habillé à mon goût, hein, ça, du coup. Je sais plus, c'est quoi la touche pour regarder mon perso de devant? V, par défaut. Ah, voilà. Ouais, alors c'est pas top, hein. C'est pas super joli, je trouve, quand même. C'est... Non. Tu l'as vu? Tu l'as regardé? Absolument pas. C'est où? Je suis parti très loin faire du dépôt épaisse quand on mange pour faire d'autres trucs. D'accord. Ben écoutez, on va aller essayer les armes en attendant qu'ils reviennent. On va prendre les dagues. Bon, on n'a pas le perso au petit pour ça, mais on va juste les essayer et autres. Ah, oh, mais c'est dommage le métal. C'est... Bon, en même temps, ça donne encore un objectif fin de jeu comme ça. Aux joueurs, donc c'est bien. Alors, où est-ce qu'il est? On n'avait pas tué un cuisinier, là. Coucou, cuisinier. Ah bah, il est plus là. Allez. Ah non, le cuisinier, effectivement... Tu l'as tué? Il est sur ma route, donc je l'ai un petit peu renversé. Sans... sur ma route. Très bien. Alors, en fait, en même temps, ils font beaucoup moins de dégâts que les nôtres. Oui, c'est ça, ouais, effectivement, c'est dû... tire 1 en métal en fait. Parce que ça fait du combien? Du 36 dégâts et ça fait du 15. Donc c'est pas énorme. Maintenant, si jamais vous avez pas le mode qui vous donne la Steel Blade, c'est un mode. Ça vaut la peine peut-être. Il n'y a pas d'animation spéciale, j'ai pas l'impression. Par contre, la lame est classe, franchement. C'est tout? Il n'y a personne d'autre à tuer? Mais je veux tuer des gens. Bon, et du coup, si on se mettait comme objectif pour avancer, en plus de la construction, que déjà je fais en dehors des vidéos, si on se mettait l'objectif d'aller faire les armes, là, kitane, et pour lesquelles il faut du métal stellaire, ça me paraît une bonne chose. Comment est-ce qu'on fait du métal stellaire? Vas-y, on a répété, tu peux le dire. C'est ça. Alors, il faut aller dans le biome neige, trouver des météorites, oui. Les casser avec des explosifs. Et une fois qu'on les a cassés, on peut aller piocher le minerai stellaire qui est dedans. Il faut quelque chose de spécial pour les miner ou n'importe quelle pioche? La meilleure pioche possible.
Ok, parce que tu en prendras le plus avec la meilleure cloche, pioche, j'imagine. C'est ça, oui, complètement. Et les explosifs, on les fait? On est censé les faire dans le creuset. On est censé les faire dans le creuset. Moi, j'ai pas la recette, hein. Je ne sais plus quelle c'est. Je l'ai peut-être pas prise. Explosif. Explosif, si je l'ai. Ah, c'est récipient en céramique. Ouais. Récipient en céramique rempli de poudre explosive. Bah moi, je l'ai, en fait. Ah bah, c'est fait main. Donc, c'est dans l'inventaire. Jarre explosif. Jarre... Oui, je joue en... Jarre explosif. Il nous faut quoi? Amphore en terre cuite, du goudron et de la poudre de dragon. Alors, comment est-ce qu'on a de la poudre de dragon? Alors, c'est celle-là qu'il faut creuser. Ouais, poudre de dragon. Il faut du demon blood, du soufre, du cristal et 100 feux d'acier. Ok, très bien. Donc, les 100 feux d'acier, nous ne les aurons pas aujourd'hui. Ce cristal-là et demon blood, on les a où? En tuant les... En tuant des démons. En tuant des gros animaux. Il y en a un qui est pas très loin. Normalement, qui habite pas loin de chez nous. Qui habite pas loin de chez nous? Ben, ouais, c'était ça, en plus. Si on allait lui dire bonjour. On allait le voir, ouais, voilà. Allons-y. C'est ça? Non, c'est ça. Si, c'est ça? Aussi. Bah, entre autres, hein, c'était pas le seul. Mais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus joué à ce jeu. Il ressemble aux autres, là. Ah! Et arrête! C'est ça. C'est la version musclée, en fait. Plus de stamina. What? Mais je suis tombée avant même qu'il me frappe. C'est magique. Voilà, c'est un peu brouillon, hein, les gens. Ça fait longtemps qu'on n'est plus venu sur le jeu. Eux, pour les piller, il y en a pas. Non, il faut le taper à la pioche. Je crois qu'il faut que tu le tapes à la pioche toi, parce que t'as une. Ah, mais j'ai une pioche. Non, il vaut mieux que tu le tapes toi. T'as plus d'acier, t'as plus de récolte que moi. Ah ben j'en ai eu 45 facilement. Ah ouais, ah mais facile en fait. Et on les trouve où en fait ces démons-là? Il y en a plusieurs, tu dis. Donc là et où d'autres? Dans les zones les plus dangereuses du jeu, je suppose. Ok. Mais ça aide. Je sais pas tout visiter encore. Ça aide, bravo. Bravo ça. Donc du coup, les 100 feux d'acier, on ne les aura pas tout de suite, puisqu'on les a transformés au fur et à mesure. 100 feux d'acier. En plus, c'est 100 feux d'acier par explosif. Et t'as dit qu'il en fallait combien de feux d'acier, d'explosifs? Il faut compter 5 si on pousse pas la jarre, si la jarre, elle dévale pas la pente sur laquelle elle sera. Donc il faut en prévoir plus que 5, quoi, vu comme on est doué. Et l'amphore en terre cuite. Amphore en terre cuite. Ça, c'est notre rayon, les gens. L'amphore en terre cuite, c'est notre rayon. On va pouvoir les crafter. Je crois. Non, alors attends, si je l'écrivais pas en. Amphore. Non plus. Alors, l'amphore en terre cuite se craft tout court. À tous les coups, c'est dans la table qui est là-bas. Alors, la table de décoration qui est ici. C'est ça? Amphore en terre cuite. 50 pierres. Mais nickel, on est bien. Oh non, faut retourner à la forge. Ok, donc ça c'est pas difficile, on peut les faire. Au final. Les amphores, on peut les faire. Le sang démon, on l'a. Donc il nous manquera juste. Ben ouais, juste du feu. Bon, en même temps, le feu maintenant ça va se faire. On a un alchimiste qui travaille et ça va se crafter. C'est juste que c'est super lent. En plus, c'est 100, mais avec l'alchimiste level 2 qu'on a, c'est plus que 75. Ok, donc ça c'est bien. Mais ouais, donc en fait, c'est juste du temps qu'il nous faut là. C'est juste du temps, voilà. Du temps qu'on va pas attendre avec vous, hein, les gens, parce que là, on en a 45. C'est pas. Il y en a beaucoup, hein, vous voyez, on a bien travaillé, il y en a beaucoup en construction, mais par contre, c'est super, super lent. On pourrait peut-être essayer, mais on l'avait déjà fait en fait. On essaiera de faire ça hors live, hors vidéo, c'est d'aller rechercher dans les là-bas au-dessus les esclaves. À moins qu'on me dise dans les commentaires, non, on va vous voir aller chercher les esclaves parce que c'est drôle, on aime bien les esclaves, vous aussi. Mais voilà, donc il va nous falloir d'autres travailleurs. Le but aussi de cet avant-poste, c'était de récupérer les esclaves pour toutes les autres bases. Donc en fait, on va farmer les esclaves ici. Mais c'est peut-être pas intéressant de vous le montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut faire, en fait, à part le métal stellaire? Il y a d'autres choses
qui sont en fait la suite logique du jeu, ici dedans. Toutes les armes en métal durci. Oui, là donc on les a en steel. Et donc ce seraient les armes en métal durci, tu dis. Métal. Et à mon avis, moi je vais pas le trouver. Si je fais durci peut-être. Les armes en métal durci. Ok. Et il y a la blé. Il y a ma petite arme. Ma petite steel blade. Ma blade là en métal durci. Non, je crois pas. On la voit pas. Hein. Ah, ça j'y ai pas vu, non. Et non. Et il faut quoi pour faire du métal durci? Il faut quoi pour faire du métal durci? Il faut fondre de l'acier avec du soufre. Oh, mais du soufre, faut juste aller pêcher, faut juste profiter des vacances et aller à l'eau. Et on le fait ça où? Dans la forge alors? Dans la forge aussi. J'essaye de ne pas appuyer sur barre d'acier, barre de fer, lingot d'acier renforcé. Mais c'est de l'acier renforcé, c'est pas de l'acier dur, c'est pas du. On en a ah, ici. Mais c'est ça, en fait, c'est de l'acier durci. En fait. On en a 11 d'acier durci renforcé ici. Oui, c'est possible, oui. De toute façon, j'ai rien mis à crafter et puis. J'aimerais bien ma petite iron. Ma petite iron blade là. Elle me plaît bien, cette petite. Mon acier renforcé. Bon, du durci, la machin, tout, tout. Par contre, ici. Mais dans l'acier renforcé, il y a aussi. Les armes lémuriennes. Dont on a eu leur recette en tuant la sorcière. Oui. Mais en fait, c'est de l'acier renforcé. Mais elles font beaucoup de dégâts? Bah, aucune idée. Bah, voilà. Il faut savoir ce genre de choses. Bah. Maintenant, si on a le droit de les crafter, on peut faire. Attends, lémuriennes, attends. Lémuriennes. Si on regarde ici. Les. Évidemment, moi je peux pas. Alors, dans les armes. Voilà, on va regarder comme ça. Épais. Alors, est-ce qu'on voit les blés de notre petite arme à nous? Est-ce qu'on la voit quelque part? On la voit nulle part. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, elles sont là, hein. Mais on la retrouve pas après en fait. Elle s'arrête là en fait. Elle s'arrête là le guerrier. Dafari. Lémurien qu'on a besoin. Épélonc. Ça c'est quoi? 28 c'est pas grand chose. Les griffes c'est pas grand chose. 35. Ah! 35 ça commence déjà à être un petit peu plus intéressant là. Le képèche ancien. Hache de guerre 35. 34. Et tout ça c'est du hardened steel. Ah! Ouh! Si elle est là et elle fait du 42. Je veux. Vaé, je veux. Elle est là, ma toute belle. La tempered Warblade. Non, Hardened Steel Warblade. C'est quand tu regardes dans Guerrier, c'est l'avant-dernière. Et je peux pas la prendre moi par contre, mais toi tu pourras peut-être. Pourquoi que ouais, non, je vais pas prendre mes points pour ça parce que sinon après on a des problèmes. Et ça, ça ne va pas. On a des petits murs, on a des trucs à poser aussi. Normalement, on doit en avoir quelques-uns. Ouf! On a quelques petits murs à poser. Est-ce que je suis pas trop lourde? Non, je suis pas trop lourde. On va prendre ça pour la porte. Et on va prendre les fenêtres. Si on commençait déjà tout doucement, là, pour la fin de l'épisode, à regarder pour construire tout ça. Comment est-ce qu'on va? On va commencer à réfléchir. Alors, je pense. Donc, je suis. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Alors. On va refaire. Ici, ça va être la petite terrasse. Donc, on va faire 6. Je voudrais que tu se mettes ici au-dessus. Mais en fait, il y en a déjà une de faite de. What? De Warblade à 42. Où? Je l'avais posé dans la table d'armurier, là où j'avais mis toutes les outils que je savais refaire. Ah oui? Oui. Oh, mais oui, en effet! Ok, je vis. Mais t'en as pas pour toi? Et combien elle coûte? 15 barres d'acier durci. C'est pas grave. Ouais, donc sachant ça, on va pouvoir faire. J'en aurai, hein, sans juste question de temps. Tu peux nous crafter le kit de mercerie cuirasse pour voir ce que c'est? Ça m'a l'air d'être juste de la peau normale.
Un bijou, regardez. Oh, celle-là, elle a l'air d'être simple. Mais c'est pas celle qu'on a? Non, c'est pas celle qu'on a. La kitane impériale. Oh. Harnais, venir en fourrure. Non, non, pas de la fourrure. Pas de la fourrure. Mais ouais, ce serait sympa. Tu peux nous crafter les deux sets d'armure pendant qu'on pose quelques petits murs, juste pour voir un petit peu ce que ça donne, en fait, la beauté des trucs. Hop, la beauté des. Le set impérial? Bah, les deux qu'on n'a pas fait. Parce que le set impérial, c'est à base de cuir lourd qu'on n'a pas. Mais non. Il va falloir tuer quelques éléphants. Quelques éléphants, c'est pas grave. En mercenaire, effectivement, ça a l'air d'être bien de toutes les choses. L'impérial, c'est du cuir lourd? Mais pourquoi est-ce que ça me sort? Le mercenaire. En fait, l'impérial, c'est le lourd et le mercenaire, c'est très léger. Et celui que tu portes, c'est. Rembourrage en plastron lourd. Ah! Oh bah écoute, pour la prochaine, on essaiera de faire celui-là. L'impérial pour nous. Ah bah oui, l'impérial pour nous, c'est très très bien. Ouais, mais au moins essayer la mercenaire pour voir, du coup. Et ce serait bien aussi le petit bouclier. Là, il m'a l'air tout sympathique, le petit bouclier. Alors ici, ce qu'on va faire, on va mettre une... Ouais, on va mettre une fenêtre, ici. Hop là. Quand on n'est plus habitué du tout avec les... avec le système de construction... C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, il est moins compliqué que sur Arc. Hein. C'est un fait certain. C'est que du 2. Ça va pas être grand chose. Faire plutôt un petit couloir ici pour rentrer chez nous. Et alors, on va remettre une porte là. Ouais, on va faire ça. On va mettre une porte. Des murs? Ouais, des murs. Ça me paraît bien. Hop. Voilà. Voilà. Non, évidemment. Le seul que je regarde pas et que je regardais déjà parce que les autres s'étaient bien posés. Eh bien, in. C'est quoi ce bruit? C'est quoi Quel ce bruit, bruit? Il y a eu un bruit bizarre. Il y a eu un bruit bizarre. Bah, il y a eu un bruit bizarre. Des peurs? Oui, j'ai peur. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre? Non, non, je crois que c'est juste un animal, à part toi. Alors ce qu'on va faire, on va couvrir ici, tiens. Pour que ce soit plus joli. Parce que les fondations, elles sont... Voilà, elles sont pas terribles. Là, on mettra une porte. Ça me paraît bien. Par contre, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre une petite fenêtre ici, quelque part? Alors, on en est à un... Qu'est-ce qu'on a? Hop. 1, 2, 3, 4. Je te promets qu'il y a des bruits bizarres, hein. Je te promets. Oula. Ouais, ici. Allez, fenêtre ici. Et hop. Hop là. Moi, je dis que si on arrive déjà à faire une petite pièce par petite pièce à chaque épisode, c'est déjà pas mal, moi, je pense. Hein. Et ici au-dessus, en fait, basiquement, c'est juste du... Bah du entier. Donc ça c'est pas mal, ça va encore aller assez vite. Je me réserve bien entendu le droit, les gens, vous en avez l'habitude, de tout redéfaire après la vidéo et de tout refaire correctement parce que ça ne me plaît pas. Hein? On est d'accord, vous le savez. Alors est-ce que je pourrais le mettre là? Non, je pourrais pas le mettre là. Il va pas me laisser le mettre là parce qu'on n'a pas la porte. On a pour se crafter une porte sur nous? Non, je voudrais une porte. On a notre nouvelle petite porte. Voilà. On va pas mettre de porte en soi, hein, mais on va juste, en fait, mettre le tour de porte. Ouais, je préfère, en fait, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais envie de mettre des portes. Je sais pas si c'est pour pouvoir partir plus vite ou autre, mais j'ai jamais vraiment envie de mettre des portes. C'est vraiment bizarre. Et alors, ici, ce que je nous ai préparé... C'est des escaliers. Je voudrais voir ce que ça donne si jamais on met des escaliers ici dedans. Ça pourrait être sympa d'avoir ça. Bah, au final, c'est sympa encore. Ça donne bien. Et alors, on rentrerait dans la tour ici, qui serait plutôt une tour de garde, comme ça, un peu spéciale. Ça pourrait être sympa. Alors, je me demande, est-ce qu'on va travailler avec cette colline, avec la pierre ou pas? On peut avancer un petit peu, hein. On peut encore poser des petites fondations ici. Alors,
toute évidence pas là. Ouais, toute évidence pas là. Donc on pourrait encore avancer ici, faire un petit carré ou quelque chose en genre. Ça va être petit, hein. Il va falloir mettre des étages. Il va falloir mettre des étages. Par contre, là, ça va être fort carré. Il va falloir trouver un moyen d'essayer de casser ce côté un peu carré du devant, de là. Petite terrasse, hein. Petite terrasse ici au-dessus, ça pourrait être sympa. Et ici, ben, on va mettre des petits, vous voyez, des petits murets comme ceux-là. Je sais pas si on en a. Vous voyez, j'en ai mis ici pour faire un peu l'espace, l'espace tanneur. Ça donne bien, n'empêche. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas si on en a d'autres. Ce serait sympa de les mettre dans l'autre, de l'autre côté, sur l'autre terrasse. Alors, les gens, qu'est-ce que tu es en train de... tu as préparé les trucs la veille, tu les as? C'est en train de se finir de crafter. Il n'y a plus qu'une seule pièce du set à crafter. Ok, on va aller voir ce que ça C'est... donne. Je sais pas si j'ai envie que ça aille tout le long. Du coup. En tout cas, pas ici, puisque c'est notre petite devanture pour nous descendre là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on en mettrait pas une ici? J'ai peut-être bien envie d'en mettre une là. Pour faire la montée d'escalier, vous voyez? Ça finit, ça termine un petit peu plus les escaliers. Ouais, j'aime beaucoup plus. Ça donne un petit peu de relief en plus avec les petits trucs qui sortent là. Ça, c'est sympa. Par contre, là, on n'a pas beaucoup de place, mais voilà, on apprend à faire un peu petit. Oui, ça m'arrive de temps en temps. On pourra pas en faire. Donc là, il nous en manquerait 3, 4. Et alors ici, on verra bien comment est-ce qu'on va faire. Je vais peut-être enlever celle-là. Celle-là, plutôt la faire. Malheureusement, on n'a pas du verre sur ça. Il n'y a pas de construction en verre sur ce bâtiment. Ah, pas que je sache. Il y a un truc là. Mais d'où est-ce qu'il sort, lui? Oh, on a des poissons. Mais il habite pas loin. Il habite pas loin. Et depuis quand est-ce qu'on a des gens qui sont invités comme ça et qui viennent nous dire bonjour et pas de soucis? Ouais, il vient d'arriver, moi j'ai pas eu le temps de le voir en fait. Je Mais... regardais si on avait assez pour faire ton set Bah, impérial. en même temps, on lui a mis des escaliers pour qu'il vienne, hein, mais bon, il va falloir protéger ça ici, là. Je pensais pas qu'il fallait protéger ça, mais il va falloir le faire. Ça peut être sympa. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que c'est trop plein de murs, là. Faudrait trouver des trucs comme ça pour décorer ce mur-là. Je sais pas encore trop quoi faire du coup. Ou alors avec des choses comme ça, angle d'escalier en briques. Des escaliers? Non, des escaliers ça va pas être beau pour mettre. Et ça, le problème de ça, c'est qu'il y a des poteaux. J'en avais crafté ici. Hop, attendez. Hop là. J'en avais crafté pour essayer pour faire la forge telle qu'elle est maintenant. Et c'est absolument pas. Ça ne donne absolument pas ce que je pensais que ça allait donner. Hop. Je me disais, on va le mettre, et alors ça, vous voyez, ça fait le truc, ça fait deux poteaux devant, mais en fait, c'est pas très très beau, ça se met difficilement. Ah, par contre, ici, on pourra peut-être le mettre. Attends. 6. Bah, vous voyez, c'est pas top. Ou alors, il faut le faire partout. Mais partout, là, ça va poser un problème. Là, on pourra pas le faire. Et celle-là, c'est comme ça, donne quoi ça? Ça peut casser un peu le côté plat de la façade. Maintenant, vous voyez tous ces piliers-là, moi, ça me pose problème. Je trouve pas ça très très joli. Et notre façade n'est pas très très grande en fait. La terrasse ici n'est pas assez grande pour mettre ça. À moins qu'on n'en mette pas ici. Ça va pas faire beau si on n'en met pas là. Ah, à moins que on puisse mettre un toit en chaume sans les poteaux à côté, voyez? Oh, ça pourrait le faire. Attends, viens ici, toi. Viens, toi. Ramasse. Casse pas tout, s'il te plaît, donnez-moi.
Donc par exemple, vous voyez, si on le met ici, c'est pas encore trop grave. Ouais, ça va peut-être pas être top non plus. Si on le met là, ça donne moyen avec les piliers, tout ça en plein milieu. Ouais, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Bon, si tu veux ranger ton arme là. Non, ça va pas le faire. Ici encore, à la limite, ça pourrait le faire parce qu'on a une grande terrasse. On trouvera pour l'utiliser. On trouvera. En même temps, peut-être que là, ici, peut-être. Et là, on a les escaliers qui montent, donc ça va être ennuyant. Moi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va peut-être trouver autre chose, du coup. Mais il faut trouver autre chose. Il faut trouver quelque chose pour mettre là. Alors, les nouvelles tenues sont prêtes. Nice. Et c'est quoi ça? Ah, c'est le Qui est? casque. C'est pas... Quoi? Pardon? Non, il me semble avoir fait un bouclier. Alors attends. J'essaye de... Captain. Mercenaire. Là, je crois que je les ai toutes. Mercenaire, mercenaire. Oh, on a débloqué un périple. Donc là, on est bon. Et le bouclier, il est où? Et le bouclier, il est là. Il est là, le bouclier. Voilà. Et regardez ça, si on n'est pas... On n'est vraiment pas terrible. On n'est mais vraiment pas terrible, hein. Autant, je crois que je préfère mon ancienne tenue, quand même. C'est pas terrible. C'est... Ouais. Bah, c'est une salopette, jupe. Autant, ils ont fait... Une salopette, j'ai peur, par contre, je suis trop lourde. Ouais. Vive le décolleté, hein. Ah bah tu te plaignais que c'était 3 billets. J'étais trop habillée avec l'autre. Ben non, je me suis pas plainte que j'étais trop habillée. Ah pardon, Je j'ai m'étais cru. plainte qu'il y avait un peu trop de trous dessus, mais là, par contre, on est... Il n'y en a plus assez. Ouais. Ouais, non, c'est pas joli. C'est pas beau. Regarde-moi ça, c'est pas joli. Attendez, regarde. Ah! Par contre... C'est joli, n'empêche, regardez dans le dos. On voit les petites ficelles rouges qu'elle a. Bon, bah, vous s'en foutez. Ben, écoutez, voilà. À savoir un peu ce que ça vaut en point de vue armure, par contre. On peut le voir, ça, normalement. Les stats d'armure. Oui, Armure quand tu fais 3. ton inventaire. 11. Et donc, par rapport à la note, là, à la paillarde. Ouais, mais en fait, ça vaut rien, les armures. C'est du léger celle-là, par contre, hein. C'est normal qu'elle soit léger. Oui, mais par exemple, si je prends la moyenne par rapport à la moyenne. Si je prends la moyenne du Kitan Capitaine, elle fait du 34, alors que mon pillard fait du 50. Tu Oui, vois? de faire plus chaud en... Donc, ouais, je préfère encore la mienne. Et en plus, elle est plus jolie. La mienne, elle est plus jolie. Le truc qui... rien à voir. Je m'en fous, la mienne, elle est plus jolie. Regardez-moi ça, si elle n'est pas plus jolie comme ça. Hein? Franchement. Est-ce qu'elle n'est pas plus jolie comme ça? Bon, les chaussures, on repassera, mais le reste de la tenue n'est pas mal. Bon, alors, on va aller voir notre petit danseur, parce que c'est quand même lui qui va être mis à l'honneur aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Mais voilà, on a notre petit danseur maintenant sur la nouvelle base. On a tout ce qu'il nous faut maintenant. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va essayer de faire du feu pour pouvoir faire du machin, pour pouvoir faire du truc et du métal stellaire. Hein. Je vous propose qu'on fasse ça. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va certainement commencer à aller dans le biome neige. Par contre, le biome neige, avec ma petite tenue, je suis pas certaine que C'est ça. mon personnage va pas avoir froid. Va Va falloir encore peut-être. changer de vêtement. Va peut-être falloir se. En fait, il faut se faire une garde-robe hein, sur ce jeu. C'est pas possible autrement. Il faudrait complètement te faire un set de chaque pour le montrer et puis que tu puisses regarder. Ouais, c'est ça, il faudrait une armoire avec une chambre à coucher, un dressing et tout ce qui va avec, mais pourquoi pas. C'est On ça. va y penser, on va y penser. Bon, alors maintenant, il faut juste ramener. Faudra rajouter 4 étages à la maison. 4 étages à la maison, je pense. Un étage entier, c'est le dressing. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En même temps, on n'est pas censé le faire ici. Ici, c'était juste pour traiter les esclaves, hein, on est d'accord. On n'était pas censé se faire une base ici, avec dressing et tout. Tout à fait. Mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Toujours plus, hein, tant qu'à faire. Bon, ben voilà les gens, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là-dessus. On se retrouvera si jamais il y a plein de commentaires, il y a plein de petits pouces en l'air et que vous me dites oui, on veut la suite, on veut la suite.
Sinon, on arrêtera malheureusement de faire des vidéos et on jouera dessus, nous deux, pour le plaisir d'avancer parce que ça me fait plaisir de jouer à ce jeu. En attendant, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous dis à très bientôt.